Le zoo polaire de Salangsdalen, à 30 km au sud de Tromsø, est le parc animalier le plus au nord du monde. Durant l'hiver 2009, les oursons poivre et sel ont été extraits de leur tanière. C'est la première fois qu'on tente de socialiser des ours en Norvège. Le métier de merlouve de substitution est éprouvant et l'aide de Dorte est la bienvenue. Les jeunes soigneuses Léa et Anita doivent déployer des trésors d'énergie pour s'occuper des deux oursons 24 heures sur 24. Ne mords pas. En grandissant, les oursons tentent de plus en plus de tester leur vigueur. Ne mords pas. Ne mords pas. On est arrivé au point où ils nous mordent. Ils aimeraient bien se battre avec nous. C'est reparti. Anita et Léa ne sont pas sûres d'employer la bonne méthode avec poivre et sel. La situation est devenue si difficile qu'elles se résolvent à demander de l'aide. Léa et moi, on débute toutes les deux dans le métier de soigneur. On n'avait jamais travaillé avec des ours. Il y a eu des problèmes de communication avec l'équipe. Tout le monde a pris la mouche, du coup, plus personne ne parle. On n'a pas reçu les réponses qu'on attendait et on se sent frustré. Les oursons grandissent vite. Vivre à leur côté est de plus en plus risqué. Ne mords pas. Tous ceux et celles qui sont impliqués dans le projet au sein du parc sont frustrés depuis un certain temps par la façon dont il est mené. On a donc tous décidé de tourner la page et d'aller plus loin en communiquant un peu mieux. On espère que ça va nous permettre d'aller de l'avant au lieu de revenir sur nos erreurs, sur les choses qu'on aurait pu faire autrement, parce que c'est pas ça qui va nous faire avancer. L'équipe a clairement besoin de ressources supplémentaires pour travailler avec poivre et sel. Léa et Anita ont demandé de l'aide et les renforts sont en chemin. Je suis spécialiste du comportement canin. Je suis venue ici pour étudier les loups. Et on me propose également de travailler avec des ours pendant cette période du mois de juillet. Je vais participer à leur dressage pour faciliter le travail des filles qui sont chargées de s'en occuper. Anita et Léa ont laissé les oursons quelques heures. Pour se changer les idées, elles accompagnent Tonje partie récupérer des cochons dans une ferme voisine. Parfois, ils couinent un peu, mais ce ne sont que des cochons. Des cochons, certes, mais des cochons têtus. Sophie. Lorsqu'elles ne bataillent pas avec les animaux, Tonje et Anita doivent également accueillir et renseigner le public. Il y a un rapide tour guidé. Puis vous avez aussi le carcajou, les ours adultes et poivre et sel. Voilà, au revoir. C'était juste quelqu'un qui voulait des infos sur la visite guidée. Ce qui l'intéressait surtout, c'était poivre et sel.
Ça, c'est ce qu'on appelle un ralliement. On produit une note aiguë à laquelle tout le monde répond. C'est une façon de dire « je fais partie d'une communauté ». On fait ça souvent pour renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe. Avant même qu'ils ne naissent, ces louveteaux étaient destinés à être transférés dans un parc en Angleterre. J'ai reçu une réponse de Jim en Angleterre. Il a visité une station de quarantaine. On devrait obtenir le feu vert aujourd'hui ou dans les jours à venir. On attend juste les papiers de la CITES. Avant leur départ, les louveteaux doivent être soumis à un contrôle vétérinaire. Chaque animal doit posséder son propre passeport. La procédure est longue et la date du transfert reste incertaine. Tess rencontre pour la première fois les mamans ours. L'entraînement positif et l'état d'esprit des filles, ce sont mes principaux objectifs. Je suis là pour leur donner tous les outils et transmettre un état d'esprit pour qu'elles puissent améliorer ou renforcer les comportements souhaités. Ça vous aide un peu pour commencer? Tu vas voir. Tu vas te plaire ici. Tonieux surveille de près l'état des loups sauvages. Aujourd'hui, elle guette avec impatience l'apparition de Nanook. Celle que vous voyez là, c'est Gaïda. Elle a 5 ans. On a un deuxième loup qui s'appelle Nanook. Il était malade ces derniers temps. Depuis, on ne l'a pas revu. Gaïda a 2 bébés avec elle. Enfin, on présume. Mais ni Nanook, ni les deux louveteaux ne se montreront. Cela fait plusieurs jours que personne ne les a vus. Né sur ces terres il y a 10 ans, Nanook est le plus vieux pensionnaire du parc. Ce n'est pas la première fois qu'il manque l'heure du repas. L'absence des deux louveteaux, âgés de 7 semaines, est plus inhabituelle. Mais l'enclos est vaste et les cachettes sont nombreuses. Pour les 4 petits élevés dans le zoo, la vie est bien différente. Les soigneurs leur portent une attention constante. Michaela a bien aidé Dorte. Elle est devenue l'amie des louveteaux et les reconnaît facilement. Hier, il m'a attaqué. Il a commencé à me mordre. Lui, c'est Rochak. Lui, c'est Beowulf. Il est facile à reconnaître. Il a une tache sur le dos. Là, c'est Misha. Où est passée la 4e? Ah, la voilà, Aurora. Tout juste. Hé, hey, petit coquin. Ça se fait pas ce que tu fais, là. Ces derniers temps, Poivre et Sel sont devenus ingérables. Aujourd'hui se déroule la première séance avec Tess, et celle-ci n'est pas au bout de ses surprises. Coucou, tu viens travailler un peu? Pour cette première leçon, Tess est pleine d'ambition. La première étape, c'est d'associer le clic à une récompense. On commence par un exercice extrêmement simple qui consiste à leur donner du raisin ou toute autre friandise. Quand ils ont le goût de l'aliment dans la bouche, on produit un clic. Et dans leur petite tête, ils associent le clic et le goût agréable dans la bouche. Le clic signifie récompense. On essaie? Qu'est-ce que tu en dis? Toi, tant que tu as du raisin, ça t'est égal. Dès le début, je garde beaucoup de friandises à portée de main pour pouvoir travailler vite. Coucou. T'en veux un bout? Hé, Pépép. Il ne faut peut-être pas le laisser sauter. Il s'excite. Ouais. C'est trop bon. Tiens. Celle veut toutes les récompenses à la fois et ne montre aucun respect pour Tess. Non.
On devrait peut-être songer à utiliser moins de friandises pour qu'ils ne s'excitent pas autant. Il faudrait peut-être s'en tenir aux fruits. Quand j'ai commencé à travailler avec poivre et sel, je suis allée trop vite en besogne. Ils me connaissaient déjà, mais apparemment pas assez bien. Comme pour eux, j'étais une étrangère, ils ont trouvé que je leur en demandais trop. Et pour me montrer qu'ils ne savaient pas qui j'étais et qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, ils m'ont mordu les fesses, deux fois, très fort. On voit encore de fines cicatrices. Après ça, j'ai laissé l'entraînement physique à Anita et Léa, qui ont déjà des liens avec eux. Viens là. Viens. Super. C'est pas évident de trouver le moyen de les motiver. Il faut faire attention de ne pas trop les solliciter. Sinon, ils se démotivent et ils mordent. Comme je le disais, soit vous essayez de travailler avec un ours à la fois, soit vous travaillez chacune avec un ours. Et vous n'oubliez pas, à la fin, de leur dire « c'est fini ». Cette méthode est plus efficace, mais celle n'est pas encore totalement satisfaite. Doucement, doucement. Le problème, c'est qu'ils ne réagissent pas du tout comme les autres animaux quand on pose des limites. Quand vous posez des limites à un ours, il trouve ça très amusant d'essayer de les repousser encore plus loin. Et puis ça engendre chez lui un sentiment de frustration. Et cette frustration ne se traduit pas par un aboiement, mais par une morsure. Vous voyez le résultat? Des bleus, des griffures, des marques de dents. Un conflit a éclaté dans le groupe des loups socialisés. Runar et Julian tentent de comprendre. On s'assied sur le rocher pour les observer un moment. Il semblerait que Naila et Steinulf s'approprient presque toute la nourriture. Donc il faut soit qu'on les isole pour que Luna et Ylva aient suffisamment à manger, soit qu'on mette assez de nourriture pour tout le monde. Il faut aussi bien l'étaler. Comme ça, Naila et Steinulf ne pourront pas arriver à tout prendre. Mais c'est sûr qu'il en faut plus. La solution est d'augmenter les rations afin que chacun ait de la viande à volonté. Tonje est chargé de dépecer les carcasses. Alors ? On a simplement décidé de continuer à les nourrir. Julian et moi, on reste sur place pour partager la nourriture et s'assurer qu'ils ont chacun leur part. On veille notamment à ce qu'Ylva ait bien à manger et qu'elle ne reste pas tout le temps à l'écart. Merci, Tonje. Bonne chance. Julian et Runar vont servir le festin préparé par Tonje. On va probablement se faire dévaliser dès qu'on sera arrivé au sommet. Je pense qu'on devrait seulement en mettre à deux endroits, au-delà de la partie basse et là, devant, pour qu'on puisse vérifier qu'Ylva et les autres restent bien chacun de leur côté. La voilà. Ouais, elle s'est bien débrouillée. Maintenant, Luna et Ylva ont toutes les deux des morceaux relativement gros auxquels elles se cramponnent.
Allez, mange, ma belle. Mange. C'est tellement calme quand ils mangent tous ensemble. J'avais encore jamais vu ça. Je retourne au Danemark pour la première fois en 7 mois et demi. J'ai hâte de revoir ma famille et mes amis. Même quand on quitte le parc, on pense constamment aux ours, à ce qu'il faudrait améliorer. Et c'est usant, à la fois physiquement et mentalement. Anita n'a jamais quitté les oursons. S'il n'accepte pas Tess comme mère de remplacement, Léa risque d'avoir fort à faire. Je commence avec poivre, toi avec sel, puis on changera. Combien de temps te faudra-t-il pour apprendre à ouvrir, toi? Plus très longtemps, je parie. Allez, les loulous, on y va. Allez, debout. Bien. Debout. Bien. Assis. Super, Léa. L'exercice dépasse toutes les espérances. Poivre se conduit de manière exemplaire. Debout. Bravo, très bien. Bien, finissons par un exercice facile. Donne-lui une bonne poignée de friandises. C'est bon? Oui. Les cochons apprécient le soleil et la boue. Et ils peuvent bronzer en toute tranquillité. Ce spray contient une protection solaire à fort indice. Poivre et sel font de grands progrès et on finit par accepter Tess. Tu vas jouer avec ton frère? Là, on est à mi-chemin entre la socialisation et le jeu. Tu n'arrives pas à te décider? Regarde qui voilà. Tu ne vois pas la différence entre travailler et se reposer? Mais si, mais si. T'es tellement intelligent. Vous voyez comme il évite de nous regarder dans les yeux? Il sort du mode dressage. Il passe à autre chose. Cet après-midi, on ajoutera un nouvel élément. Je veux leur apprendre à applaudir, à taper dans leurs pattes. Ils y arrivent presque. Ça se passe super bien. Mais il reste encore quelques difficultés quand on est toute seule pour les dresser. Même si on ne sort jamais sans protection, je continue à faire des erreurs. Parfois, j'évalue mal la situation. Je n'ai pas une assez bonne compréhension du langage des ours. J'essaie tous les jours d'apprendre un nouveau signal, un nouveau comportement, d'écouter les sons. Mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Et ils se développent tellement vite. Ils sont tellement intelligents que je suis sûre qu'au lieu de dormir la nuit, ils cogitent pour trouver le moyen de nous soutirer plus de friandises. Tu n'auras rien parce que je ne t'ai rien demandé. Le loup Nanook a disparu depuis plusieurs jours et les employés du parc se lancent à sa recherche. Pas de traces non plus des deux louveteaux.
C'est un des inconvénients d'avoir un grand enclos. Quand on doit y entrer, ça peut être difficile de les repérer. Il y a des milliers de cachettes. L'équipe craint qu'il soit arrivé quelque chose de grave à Nanook ou qu'il soit parvenu à s'enfuir. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous restez bien de ce côté et vous tournez comme ça. Kato connaît son affaire. Avant d'être nommé directeur du zoo, il a travaillé 10 ans comme gestionnaire de la faune. Ils ont tellement peur de nous que quand on entre ici, ils font tout pour rester cachés. En les socialisant, on évite ce genre de comportement. On supprime la terreur que leur inspirent les hommes. Ils sont terrifiés quand on entre. Là-bas. Nanook fait une brève apparition avant de disparaître à nouveau. En tout cas, ça nous a permis de voir qu'il est valide. Il est debout sur ses 4 pattes. Quand on ne le voit pas de la journée, comme en ce moment, on est obligé d'entrer pour s'assurer que tout est en ordre. Il peut y avoir un problème quelque part. La clôture peut avoir été volontairement endommagée, par exemple. On a déjà subi des actes de sabotage dans le passé. La première étape, c'est donc de vérifier que la clôture est intacte. Puis on se concentre sur l'intérieur. S'ils se cachent, c'est peut-être parce qu'ils sont malades ou blessés. L'équipe s'interroge également sur le sort des 2 louveteaux qui ont été retirés à leur mère. Personne n'a vu les louveteaux? Tu les as vus, Tonieux? Non. Ils auraient dû déjà venir aux séances de nourrissage. J'espère qu'ils ne sont pas morts. Il n'y a aucune trace. Pas de petits excréments. Je suis descendu au marais pour voir s'il y avait des empreintes, mais je n'en ai pas trouvé de petites. Pas de nouveaux lieux de rassemblement. Il n'y a que les anciens. Ils ont creusé un trou dans la terre. Ce sont les seules traces fraîches que j'ai pu trouver. Je suis du même avis que Kato. Ils ne sont pas là. Soit ils se sont fait tuer, soit ils sont morts de cause naturelle. Et dans ces cas-là, ils disparaissent et on ne les retrouve jamais. Allez, on s'en va. Ça peut être un oiseau de proie, une maladie, qui sait? On n'a trouvé aucune trace. Il ne fait aucun doute qu'ils sont morts. Leur vie a été très courte. Et ils ont disparu soudainement.